Maintenant, pareil, comment t'as la moitié Jao qui. Dans Madhab Hanafi, il y a plusieurs imams qui reconnaissent comme référence. Laisse-nous le prendre dans les autres livres, nous lire les autres textes, nous guetter ce qu'ils ont fait dire, la Bob est un shirt pour l'imam, et qui est une chose qu'ils ont fait dire, qui shirt condition pour débout imam. Quand on peut choisir quelqu'un pour le débout imam, qui est une condition qui nous guetter pour être un imam. Qui est un ulama, un fuqaha, Hanafi, qui nous écrit sur ce sujet-là. Alors, premier, l'imam Shurum Moulali, Nour al-Idah. Qui servit dans la première année pour venir, Maulana, surtout dans syllabus d'Arsenizami, qui plusieurs ben, frères qui ont servi ce livre-là. Qui, ben, condition, il y en a, à la première condition, à l'islam, la personne bien musulman. Deuxième condition, à l'boulour, la personne bien balir. Troisième condition, à l'acte, l'ibzin, une personne avec un esprit sain, ne pas dire Saint-Esprit. Okay? L'esprit sain. Quatrième condition, l'ibzin, homme, al-dakura. Cinquième condition, al-kira'a. Quand nous disons kira'a, nous ne pouvons pas dire n'jimun inopan, nous ne pouvons pas dire plus hafiz, mais nous pouvons dire n'jimun qui connaît plus les règles de tajwid, qui connaît le Coran, plus avec tajwid, qui connaît le règlement de tajwid, qui connaît le tajwid, plus qu'ils ont tout. Et sixième, « Wassalamatu min al-a'dhar » Alors, ça dit mon nom, il n'y a aucun malade qui empêche l'effet imam ou aucun handicap qui empêche l'effet imam. Par exemple, nous dire la personne, il n'y a pas de malade qui l'anglais continuellement. Ou soit, il y a un saignement, 10 ans d'un aîné continuellement qui empêche l'effet de bout imam. Ça appelle ça un « ozre ». Une excuse qui empêche un djimoun de votre imam. C'est une condition. Ou soit il y a un handicap physique qui empêche lui de faire imamat. Alors il est libre de ce ban, excuse-là. Il est libre de ce ban, odre-là. Voilà, c'était six conditions qui brièvement vous finissez expliquer, qui imam Shurum Moulali finit expliquer dans Nourul Idah. Le deuxième imam qui finit expliquer, parmi tous les imams notables, fuqaha, éminents dans Madhab Hanafi, deuxième c'est Abu al-Barakat, Sheikh Abdullah bin Ahmad bin Mahmoud al-Nasafi qui finit écrire Kanzul Daqa'iq, qui finit écrire Kanzul Daqa'iq. Da Kanzul Daqa'iq, finit écrire Da Kanzul Daqa'iq. Première condition, wal-a'lamu ahakku. Première condition, vous mettez, si il y a un groupe de monde, il arrive les namaz, il y a une jamaat, il arrive les namaz, première condition, vous mettez, qui s'en a qui n'a plus beaucoup ilm de sharia, il fait l'imam de bout, imam, wal-a'lamu ahakku. Thumma al-aqra, si c'est tout même niveau, dans l'in, dans l'éducation islamique, même niveau, les lannes bougetés, qui s'en a parmi, qu'on lit le Coran plus avec tajwid. Qui s'en a parmi, qu'on lit le Coran plus, et n'a plus beaucoup d'ilm de tajwid. Qui n'a plus beaucoup d'ilm d'un règlement tajwid. Si tout égal, là aussi, et la troisième de bougetés, qui s'en a plus par hezgar. Thumma l'aura, s'en a plus par hezgar parmi. Si de par hezgar, ici, nous trouvons tout au même niveau, et la quatrième condition, ne pouvons guetter Thummal Asannu. Ne pouvons guetter qui s'en a plus âgé dans l'âge. Ne pouvons pas la même devant pour faire imam. Kanzul Daqa'iq. Après, nous prenons Sharh Wiqaya. Ça aussi, on fait. Soit on dit bien, on fait fin faire pour une Maulana. Fin faire de Darsenizami. شرح الوقاية aussi في النقية والأولى بالإمامة الأعلم بالسنة ولا ميم زفير سيكي دا كنز الدقائق سينا الجماعات نبغيتي كي سنة كنا بلي بكو علم كن دين بليس نجيا كن من مسائل كن نماز طهارت بليس سلوي كنا بلي بكو علم دا شريعة لمن كتبوت إمام
ثم الأقرى. Si ce tout égal de ilm, nous voulons dire que c'est qui connaît le Coran plus avec tajwid. ثم الأورع. Léla, si ce tout égal dans le règlement tajwid, nous voulons dire que c'est qui plus par hisgar, plus pieux. Là, non, si c'est tout égal, là, nous voulons dire que nous voulons dire que c'est qui plus âgé, là, nous pouvons mettre ben là imam. Je trouvais qu'on devait continuer, nous pouvons prendre, nous pas trop personne qui dire un point là-bas, short. Hein? Personne ne peut dire un point là-bas, short. Et là, nous pouvons cause tout le monde qui est présent parmi Ahl Sunna wal Jama'a. Nous pouvons cause en dehors Ahl Sunna wal Jama'a. Nous pouvons cause Ahl Sunna wal Jama'a. Maintenant, nous prenons Al-Hidayah. Al-Hidayah. Mon frère qui finit à Moulana, finit à Del Sénis Ami de ma dernière année, ma nassé, ma livre là, comme dans le sujet fiqh. Alors, dans Al-Hidayah aussi, finit à écrire A'alamuhum bi sunna. Première condition qui nous mettait, prioritaire. Hein? Prioritaire, nous mettait, qui s'en là, nous pouvons dire, pareil comme dans Sharh al-Wiqaya qui écrit Al-Aula bil-Imam. Celui qui n'a plus priorité pour débuter imam, plus qualifié pour débuter imam, hein? Les plus convenables pour débuter imam. Al-Hidayah aussi pareil. A'lamuhum bi sunnah. Celui qui connaît sunnah plus, celui qui connaît sharia plus beaucoup, les mêmes plus priorité pour débuter imam. Deuxième, de Bougeté, ça n'a connu le Coran plus avec tajwid. Troisième, les mêmes pareil en cours, ça n'a plus par hezgar. Et quatrième, ça n'a qui plus âgé. Donc il y a quatre conditions, lui aussi va faire mention là-bas un point. Ensuite nous parlons, vous regardez un coup, Raddul Muhtar. Raddul Muhtar, qui va être tout à fait avec livre là comme référence. Dans Raddul Muhtar aussi, il peut dire pareil que moi, Imam Shurumbulali. Première condition l'islam, deuxième condition boulour, troisième condition al-aql, quatrième condition. Quatrième condition al-Dakura, cinquième condition al-Kira'a, sixième condition wassalamatu min al-A'dar. Pareil comment Imam Shurumbulali. Il n'y a pas de mention, un poignet là-bas. Un poignet là-bas. Condition. Dernier nous prend, Imam Kassani, Bada'i al-Sana'ir. Lui aussi, il peut dire moi, Thum al-Afdol, ce qui plie meilleur. Pour débuter imam d'un jamaat, a'alamuhum bi sunnah, ce qui connaît plus la charia, celui qui connaît la plus beaucoup il médine, hein, c'est la plus beaucoup ilam, lui-même pour débuter imam. Ensuite, lui, sur deuxième condition, celui qui est plus pieux. Troisième condition, aqra'uhum li kitabillah, celui qui connaît le Coran plus beaucoup, plus avec tajwid, ce qui n'a plus ilm au tajwid. Et quatrième, ne vous guettez qui s'en a plus. Plus âgé. Donc tout ça, Imam Hanafi là, mon frère, personne ne mentionne un point là-bas, short pour imamad. Mais je tout fin mentionne, quand on a pour choisir quelqu'un pour débuter imam d'un jamaat, guettez parmi qui s'en a qui n'a plus beaucoup ilm là-dedans. Qui s'en a qui n'a plus beaucoup ilm là-dedans, mon frère. Mais aussi, il y a chacun quand on rentre dans certaines masjids, où trouver qui. Un djimoun qui remplace l'imam, il n'est pas connu le Coran, takbir, il n'est pas capable de lire bien. Alors qu'il fait une bêtise devant, la cause est un poignet là-bas. Par contre, pour lire, il y a un djimoun qui est là-bas, un djimoun plus court qui est un poignet là-bas, mais il hafiz le Coran, pas de donner l'occasion pour débuter. Il connaît le Coran, soit il connaît le Coran bien avec tajwid, pas de donner l'occasion pour débuter l'imam qui fait, parce que c'est là-bas pas exact avec centimètres, bac loin, poignet. Par contre, tout ça, un imam Hanafi. Qui référence dans Madhab Hanafi, Banazamba pas fin mention, pour rien là-bas, un short pour mon frère, pour fin trouver avec preuve.